Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir pour nous tous, dépendamment de qui côté et à qui l'on va suivre l'émission ça. Bienvenue dans MDC in the Haitian Community. MDC dans la communauté haïtienne. Nos pam, c'est James Pierre. MDC in the Haitian Community, c'est un show qui crée dans l'idée pour mettre en valeur différentes personnalités dans la communauté haïtienne, soit anciens étudiants dans Miami-Dade College ou du moins des professionnels haïtiens américains. Jodi a, nous avons fait émission ça dans un nouveau local studio enregistrement dans Miami-Dade College North Campus. Invitez-nous dans le premier segment émission ça, c'est Franz Telfort, un économiste. Franz, merci infiniment le fait que vous répondez à l'invitation. Et merci James, bonsoir à vous-même et bonsoir à tous les amis téléspectateurs MDC and the Haitian Community. C'est un plaisir avec vous. Je connais que vous gagnez plusieurs chapeaux, vous gagnez plusieurs choses que vous faites dans la communauté haïtienne, dans la radio ou dans plusieurs activités sociales. On nous parle d'abord de éducation. Je connais qu'on fait en Haïti ou étudie en Haïti, mais où tu étudies économie en Haïti ou du moins ici aux États-Unis? J'ai étudié économie en Haïti. Je fais études classiques dans collège Notre-Dame Perpétuel Secours au Cap-Haïtien. Après études classiques, j'étais allé à Port-au-Prince, j'étais dans l'université Quisqueya et faculté de droit et sciences économiques. J'ai essayé de faire deux facultés et entre-temps, j'étais obligé de quitter tomber pour faire droit juridique, j'étais focus sur économie. Côté que je fais 4 ans dans l'université Quisqueya, après quoi, je suis venu en bourse, je suis allé dans l'université Illinois à Urbana-Champaign, dans Illinois, Chicago. Côté que je suis passé un semestre en tant que visiting scholar. Après ça, je suis retourné en Haïti, je suis travaillé dans l'ONG pendant un certain temps. Et après, je suis venu une opportunité pour vivre aux États-Unis. Et pendant le temps que je fais aux États-Unis, je suis profité font l'autre étude en finance, me font maîtrise en finance, c'est dans l'université Nova Southeastern University. C'est très bien. Donc, ou étudier en Haïti, ou étudier ici tout aux États-Unis, comment vous êtes capable de comparer deux systèmes éducatifs ça? En Haïti, comment l'éducation avez-vous et puis ici, comment l'avez-vous? Parce que c'est deux langues différentes. C'est deux langues différentes et puis c'est deux corps valeurs différentes tout, parce que la façon que l'enseignement en fait en Haïti est différent de pas bon ici. Et puis, le problème que nous avons en Haïti, on peut étudier dans des livres qui sont faits pour un système bien donné, parce que ce système n'est pas bon ici, bien Canada, en pile, il faut qu'on ait une université en Haïti. Et ici, là, on rend compte qu'on fait études universitaires, il y a plus ou moins approprié à la société qu'on la donne. C'est une première différence, et puis bien entendu, tant qu'aujourd'hui, il y a une différence de langue. Et puisque on étudie, parce qu'en Haïti, on étudie dans plusieurs langues, ou des fois, il y a un livre lancé en anglais, on prend information, il y a un livre lancé en français, il y a un livre lancé en espagnol. Mais ici, là, c'est en anglais où j'ai tout le bagage disponible, donc les facilités ou quelque peu, si tu es capable de soit envie de comparer deux systèmes. Et puis, le système ici, en tout, c'est un pile sur pratique, alors qu'en Haïti, c'est beaucoup sur littéraire, sur l'abstrait, et un pile essai qu'on a pour faire en Haïti. Ici, tu as surtout pour faire des study, case studies, des études de cas qui sont plus ou moins pratiques, qui rendent l'apprentissage beaucoup plus interactif, si tu es capable de et si tu as envie de comparer deux systèmes. En Haïti, ici, tout aux États-Unis, nous toujours dit que l'éducation, c'est un moyen qui permet quoi avancer la vie ou une meilleure, si vous voulez changer d'une étape en étape. Est-ce que dans le domaine côté là, côté joué, qui c'est économie, est-ce qu'on est capable de dire que par rapport à ça qu'on apprend à l'école, ça aide à faire plus bon choix, et sur le plan économique et sur le plan social dans la vie? Absolument. Et il y a un point que nous, il est important pour nous rappeler aux téléspectateurs, James, c'est que et connaissance universelle. Et ça veut dire que soit pour nous bagarrer n'importe quoi apprendre rien, eh bien soit bien apprendre, soit intéressé, soit une passion et pour soit apprendre, eh bien n'importe l'autre côté où aller, après c'est même bagarrer là parce que connaissance là était universelle. Maintenant ceci étant dit, et tant que j'aime des doutes à l'heure, eh bien pratique aspect pratique qui gagne apprentissage par ici là, antigen aider en pile. Maintenant sur le plan individuel, si on apprend nos bagarres, on pratique les sous médecin et puis ou fumer quand même, sous médecin on pas suivre et s'acquérir les diètes correctes, yo ou gros problème. C'est même gens sous économiste tout, soit faire économie, soit faire finance, finance personnelle etc. Eh bien faut arranger pour que la caille ou vivre sur un budget et ou fonctionner en fonction de justement ça qu'on apprend, puisque quelque part ça apprend ou pas venir faire corps ensemble avec eux, parlons seconde nature, pas venir tourner réflexe que vous même vous développez dans vie et quotidienne. Et dans vie pas nous capable dire que économie, finance etc., gestion des affaires ont déjà influencé en pile façon que nous vivons, façon que nous abordons la vie, façon que nous voyons la vie en général. Nous capable dire ça dans donc ça. Étudier économie, prendre la gestion, ça aide non seulement gérer temps, gérer l'argent, mais gérer relation moun avec moun tout, parce que c'est pas connu comment vous gérer absolument ça. Absolument, bon anecdote tout petit. Lorsque me fais rentrer ici, madame moi t'a fait assurance, pour machine pour nous. Et puis yo mandel ki métier marel.
Et puis, il est dit économiste. Et moun nan ki te nan téléphone nan Gaiko, moun nan dit, eh bien, c'est très bien parce que ça pourra le faire premium, non, si j'en baisse, parce que économiste pas accident souvent. Bon, c'est très bien. Bon, je souhaitais que mal l'économie qu'on y a là, premium moins descend. Bon, voilà, telle fois, nous connaissons que, tant que j'en ai dit, vous avez l'autre chapeau, et on a radio tout dans la communauté haïtienne. On va parler de ça tout à l'heure, mais c'est le moment pour nous prendre une petite pause. Là, nous retournons, on va parler beaucoup plus avec Franz Telfort de implication dans la radio, parce que nous connaissons le lycée, yon co-animateur tout, dans WSRF 1580 AM. On va suivre MDC in the Haitian community, MDC dans la communauté haïtienne. Non, pas M. James Pierre. Let's brush it up to Natalia. Cool programs for hot jobs. Let Miami-Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in film and TV production, electronics engineering, supervision and management, and nursing. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Amis téléspectateurs, merci en pile pour patience avec fidélité. On va suivre l'émission pour là, MDC in the Haitian Community avec James Pierre. Invitez-nous dans le premier segment de l'émission, ça, c'est économiste Franz Telfort. Franz, avant de poser, nous avons parlé de l'autre chapeau qu'on a dans la communauté, qui c'est radio, qu'on est animateur d'une émission qu'on parle en pile d'économie. Qu'est-ce qui pousse à entrer dans la radio? Parce que vous connaissez votre économie, ou rencontre en pile monde, on parle avec en pile monde, mais radio en lui-même pour travailler là-dedans. Donc, qu'est-ce qui vient pousser à, qui passion qui vient pousser à entrer dans ça? Bon, et nous sommes capables de dire, James, que passion, intérêt nous dans les masses médias, non seulement sorti par le fait que nous te font un prélude sur ta capacité en Haïti, dans la radio, ou capable de créer des contacts internes. Nous te remets un feedback là. Et mais surtout nous venons rendre compte que lorsque nous venons vivre Miami que faut nous faire corps avec la communauté que nous la donne et nous rendons compte que justement que en pile monde a fait des erreurs au niveau de la communauté hein, par rapport à ça qu'il y a finance ou bien c'est pas des bails que nous connaissons. Par exemple en Haïti des notions tant que assurance de vie par exemple des notions tant que stock market ou bien bourse des échanges c'est pas des notions que nous vraiment familiers ensemble avec eux en Haïti donc moi me rends compte que même bagaille ça même lacune ça les même tous les reflétés dans la communauté pas nous pas bon ici dans le sud de Floride à côté grand pile haïtien et me trouver que son créneau côté que éventuellement capable essayer partager ensemble avec exemple yo passion moins engagement moins intérêt moins pour sujet ça ouais. Et c'est une raison qui fait que nous t'ai contré avec des amis et tant que Alix Jean-Jacques ou bien tant que Altier Léandre qui aime que France écoutez faut venir bah une rubrique même si c'est chaque 2 minutes 3 minutes qu'on capable intervenir et bien fait li jusqu'à ce que je dis moi même avec Altier Léandre nous gagner un show ensemble qui est avancé côté que n'a essayé tout à capable démystifier n'a essayé banaliser concept qu'il y a avec développement personnel économie finance personnelle parce que nous croyons que c'est seule façon pour nous mêmes comme communauté nous capable faire différence donc on est que émission ça les gars on large écoute grand pile monde qui apprend de émission ça ou même au niveau personnel qui feedback qu'on gagne de émission ça des auditeurs les relo comment ou est que accueilli information que qui est extrêmement importante d'ailleurs que au bio très 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 encourageant. Et il faut me dire que je me rive d'un côté et puis elle me dit non. Moi, je me dis, oh, France, c'est fort, c'est vous qui faites tel bagaille. Et puis, il faut toujours commenter et puis dire, mon cher, merci en pile parce que vous avez dit des bagailles que nous sommes supposés connaître, que nous sommes supposés apprendre, et bien, on ne va pas apprendre nous. Nous avons connu, merci en pile, d'être dans nos disponibilités, d'être dans nos temps. Donc, tant que j'en connais, James, et médias, surtout dans la communauté, nous n'avons pas vraiment gagné. Et moyens économiques pour survivre de lui. Mais et lorsque nous jouons encouragement et que nous jouons en pile d'ailleurs, eh bien, on est capable de dire que c'est peut-être retour à qu'on jouons ou bail des mondes de bagaille, peut-être qu'on peut aider à améliorer la vie. Et c'est ça l'idéal d'ailleurs. C'est que ou bail des outils qui peuvent aider à améliorer la vie. Il y a une bagaille qui m'encourage en pile, et d'ailleurs, MDC fait les Jodia, qui est extrêmement important, c'est gagner des shows qui n'ont langue pas nous. Côté que nous capables exprimer qui ça qu'une sortie grands-parents nous doivent comprendre ça n'a pas dit mais surtout jeunes qui cap venir pour kembe langue créole là parce que grand pile haïtien qui gagne famille qui fait petit ici mais qui pas vraiment parler créole qui parle seulement anglais comment
ou pensez li extrêmement important on show qu'on sa quoi fait qui en créole qui a informé moun yo en créole gagnen dans communauté haïtienne. Important ça capital. Créole là c'est ça nous tout parler. Ça arrive que gars qui parle français, qui parle anglais, qui parle espagnol, mais nous tout dénominateur commun c'est créole là. Et si nous arrivons à faire ça, non seulement tant qu'aujourd'hui la paix des générations courantes, générations haïtiennes que qu'on y a, mais surtout ça peut aider tout cap communiquer ou bien mettre en relation plus bien ensemble avec reste famille surtout si moun yo et là ça démystifier concept que n'a parlé là et là pas prendre que l'a créer sous ta capable on lien en plus un pilier en plus entre parents et génération ça va venir éventuellement c'est un idéal que n'ta ka gagner pour toucher l'autre génération haïtien ça va ça fait ici ou va parler de exactement mais nous quoi que son bail que a fait dans l'avenir mais pour l'instant c'est créer lien ça avec parents et éventuellement avec les jeunes et qui ont moins que 18 ans à l'avenir qui est capable aider nous tant que j'en dis une communauté qui est beaucoup plus forte qui est beaucoup plus résistante mais aussi qui est beaucoup plus intégrée qui comprend bien le système que là-dedans différentes interactions qui est dans le système la complexité qui est là-dedans et essayer de rendre simplifier pour aider au grandir aider nous grandir en tant que communauté. Intégration jeune yo dans la communauté nous est extrêmement important parce que il y a plusieurs jeunes qui a étudié dans l'autre communauté, il y a pas prendre des métiers qui est extrêmement important. Mm-hmm. Donc si on retourne dans la communauté à vinn bail service, bail bo radio et puis non seulement parler langue nan tout, mm-hmm. nous pensons que n'a gagne une communauté qui est beaucoup plus forte, non? Absolument. Et moi très encouragé, par exemple, là par exemple pour prendre ici en Miami Dade ou faire des ou faire ça va faire là travail ça quoi faire là en créole. Donc monde qui parle créole a commencé comprendre, il y a un élément en plus. Puis on capable faire créer interaction et moi-même dès que mon petit frère de New York qui pas j'aime qu'on parle créole et bien monsieur Alain il est l'université monsieur a fait master il connaît ses rêves monsieur ça pour maîtriser créole là parce que monsieur envie pasteur monsieur rendu compte que ces façons ça capable gagner parce que son outil qui est important pour nous son outil qui aide nous identifier nous en nous-mêmes c'est vrai que son outil des fois qui marginalise nous tout mais c'est comment nous capable utiliser langue ça qui quelquefois qu'on marginalise nous mais au moins pour nous créer interaction nous-mêmes pour venir renforcer nous en tant que communauté. Très bien dit. Franz Telfort, c'est vraiment un plaisir pour nous accueillir avec nous dans l'émission ça aujourd'hui. Merci pour toute information que vous avez aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. J'espère que vous avez l'autre fois encore. James, porte-moi toujours ouvert. Merci un peu pour l'invitation. Hein, et compliments pour le travail qu'on fait. Merci infiniment. Voilà, les amis téléspectateurs, c'est là qu'on a mis un bout dans le premier segment émission aujourd'hui, MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Tant que je vous souhaite, invitez-nous dans le premier segment, ça, c'est l'économiste Franz Telfort. Rete branché l'entourné, n'a venu avec avocat, animateur radio, Altieri Léan. Rete avec nous. Cool programs for hot jobs. Let Miami-Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in physician assistant studies, biological sciences, education, and public safety management. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Amis téléspectateurs, merci en pile pour fidélité. On va suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Dans le deuxième segment émission ça, invitez-nous, c'est Altieri Léandre, avocat, ensuite animateur radio. Altieri, merci en pile le fait que vous répondez à l'invitation. C'est moi qui vous remercie, James, Pierre, moi salue aussi tous les téléspectateurs qui suivent chaud ça dans la minute ça. Altieri, nous connaissons que vous avez un très long parcours dans le domaine communication en Haïti, plusieurs radios, plusieurs activités culturelles que vous faites. Pour téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment connaît Altieri Léan, parlez-nous de parcours en Haïti. Bon, nous commençons à faire radio et bien bonheur dans la vie. En 1993, nous étions Radio Télé Vénus, qui est aussi sur Cap Haïtien. De là étant, au Cap Kijamba, c'est où veut être non radio, puis go à Vinbrun. Et tant que l'équipe a préparé le joueur pour go équipe, mm-hmm. et puis Radio Cap Haïtien Vinbrun, qui est un gros nom dans la communication en Haïti. Et Radio Cap Haïtien, je viens de passer près de 11 ans ensemble avec eux. Et en même temps, je fais la télévision avec RTK, qui m'a fait 2 ans la donne. Après, je fais MFM, qui c'est musique FM avec Jacques Sauvergeant. Et de là, je viens d'entrer Port-au-Prince, Alnan, RTNH. D'abord,
comme coordonnateur général, ensuite je passe directeur programme, après des fois je suis directeur technique, je fais direction administrative, c'est parcours là ça, et après nous trouvons nos sites aux États-Unis d'Amérique. Donc après toute expérience ça que fait en Haïti, vous venez décider d'établir ici aux États-Unis, ou sont étudiant ou dans Miami Dade College, parlez-moi de qui discipline quoi à apprendre ici là. Bon, on a venu ça, on a étudié marketing, nous et sur quatrième semestre nous. Et bon, nous visons aller très haut, mais son domaine que nous aimons en pile. Dans Miami Dade College, nous connaissons différents groupes, gagne haïtien, gagne panyol, gagne américain, gagne etc. Donc, est-ce qu'on travaille de concert avec groupe haïtien yo, qu'on te sent sur la caillou, l'ambiance pour étudier? Mon cher, nous sommes hommes mondiaux, son homme universel que mieux, nous travaillons tout le monde net. D'ailleurs, barrière de langue qui t'apprend pour nous communiquer, nous barrières. Depuis Haïti, nous débat l'espagnol, plus anglais, ça veut dire nous communiquer avec quelque chose monde qui gagne. Et d'ailleurs, on connaît l'OCN, B, Student, mais nous avons chargé à Zambie. Yeah. That's good. So, adaptation de langue créole avec langue anglaise, l'entrée ici, n'est pas vraiment en gros difficulté pour vous parce que vous avez déjà commencé à apprendre l'anglais depuis que vous êtes à Haïti. L'homme vient ici, ou après le de Samabdoula, c'est seulement 3 mois. Après que je fasse le test, je vais me faire 3 mois et non cours anglais. Et après ça, après 3 mois, l'homme dans la classe, c'est juste nous faire ça devoir nous. Et puis après ça, je m'entraîne normalement dans le programme sans difficulté. Il y a une question que me posait presque tout invité mieux, c'est parler de transition hein, pour vous. Système éducatif en Haïti, hein, avec façon que l'éducation baille ici dans l'école. Comment tu as trouvé le changement ça, et comment tu as adapté à lui-même? Moi-même, j'ai une vision différente de adaptation ça. Pour quelle raison? Parce que j'étais professeur tout en Haïti. Moi, deux systèmes complètement différents. Et finalité, c'est faire mon apprendre, mais modus operandi, formule que j'ai passé par là, c'est des formules différentes. Parce qu'en Haïti, nous apprenons pour nous apprendre, par une éducation haïtienne qui est propre à l'haïtien. Mais ici, ça apprend dans son éducation qui forme ou pour capable gérer tête ou ici, et capable citoyen à part entière de l'espace qu'on vit ici. C'est différent ça. Et ensuite, tout et matériel qu'on utilise, nous avons des matériels qui sont de part et d'autre. Que c'est en Europe ou bien en Amérique du Nord, mais pas des matériels vrais haïtiens à 100%, même si qu'on y a là grand pile d'efforts qu'a fait pour doter le système éducatif haïtien de matériel haïtien pour former le citoyen haïtien. Donc qu'on y a là au presque fini dans le domaine qu'on y a, est-ce qu'on pense que soit pas prendre la pral edo d'ailleurs ou déjà dans niveau professionnel, dans niveau professionnel pour capable vivre mieux et pour capable mieux éduquer non seulement petit ou mais l'autre monde que ou gagne chance pour côtoyer dans la vie. Dans premier jour, m'entraîner dans Miami dedans dans classe là et comportement, attitude, moins compréhension, relation à monde changer complètement, voir que qu'on y a là, m'a parlé sous 3 ans la donne, ouais imaginez ça veut dire. Une transformation et total capital de l'homme qui fait à partir de ça que m'apprend de recherche, de professeur, de monde qu'on faut ensemble avec lui, ce n'est plus le même homme, c'est pas le même monde du tout. C'est très bien. Altiri Leyand ou pas quitter métier derrière ou venir ici aux États-Unis mais ou toujours kembe domaine radio. N'a pas le petit pause, là retourner, n'a pas parler beaucoup plus de expérience dans radio ici aux États-Unis, surtout dans Miami. Restez branchés à suivre MDC in the Haitian Community avec James Pierre. N'a pas petit pause, n'a tourner tout à l'heure. Cool programs for hot jobs. Let Miami-Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in physician assistant studies, biological sciences, education, and public safety management. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Pour suivre MDC in the Haitian Community dans le deuxième segment, ça invité nous, c'est toujours Altiri Leyandre, yon avocat avec yon animateur radio. Altiri, avant pause là, nous t'ai parlé de expérience sur la radio en Haïti, de parcours ici tout aux États-Unis, surtout dans le domaine éducation en tant qu'étudiant dans Miami Dade College. Et nous connaissons tout, ou c'est yon vedette, si nous capable dit, dans la communauté haïtienne, dans les affaires radio, nous t'endons plusieurs émissions qu'on fait, capable de vraiment chapeau bas dans la façon qu'on fait émission.
est-ce que nous capable dit Altiri Léandre, animateur radio, c'est une passion ou du moins son métier? À la fois les deux. Parce que pour ta métier, pour ta vie professionnelle, faut son bagage qui va vivre de lui-même à 100%. Et dans la communauté haïtienne, c'est très difficile. Il y a des gens qui font, mais surtout moi-même qui a à peine venu. Et nonobstant que je me dis merci à mon Dieu de façon que je apprécie, mais il y a un petit peu difficile. Bon, il y a plus passion, et passion vient faire que côté professionnel vient ressortir. Donc, dans l'émission, ça qu'on fait, qui ça qu'on parle dans l'émission, émission faire? Bon, nous plus sensibiliser l'auditoire là sur l'aspect social, et aspect moral, et aspect finance, et économie. Et des fois, tout faire des analyses qui ont rapport avec la situation à évoluer dans le pays d'Haïti, surtout la situation politique et puis sociale monde qui est en Haïti. Nous ne voulons pas quitter les gens qui sont en Haïti, l'esprit en Haïti qui est ici aux États-Unis, mais nous ne voulons pas tout que tout le même ici et puis oublier Haïti. Nous faisons un petit genre entre deux dans le mi-temps pour permettre que à la fois les citoyens qui vivent en dehors d'Haïti, mais sans oublier le pays d'Haïti. Nous connaissons que y a plusieurs façons que nous prenons information ici aux États-Unis. On est capable de regarder la télévision, capable de lire le journal, capable, etc., etc., sur Internet. Mais on show haïtien en créole. Qui est important, vous pensez que ça gagne toute information qu'on a besoin, qui est extrêmement important. Qui est important, vous pensez que ça gagne l'information que j'en suis capable de dire dans la langue maman. Pabli, Haïti, là, on parle créole. Et ils ont mis tout au coin. Ça veut dire que là, son bail qui marginalisé, qui mettait mon à côté. Ils ont venu ici aux États-Unis, tout. En plus, le monde dit bon, ils ont parlé anglais, ils ont parlé français devant le monde, ils ont parlé espagnol. Waouh! Donc, ça, c'est un monde qui est bien éduqué. Mais ils ont venu prendre décision avec tout ce qu'ils ont comme éducation, tout ce qu'ils ont comme formation, ou décider quoi parler créole. À côté, tout le monde qui décide à goûter pour créole là, tout. Parce que il y a des gens qui ont pour l'autre monde, que je connais très prochainement, qui ont invité là pour eux-mêmes, tout venir parler de l'expérience. Et faire émission en créole, c'est très important. Pour la simple et bonne raison, ils permettent que nous restions cimentés avec la culture nous et avec la majorité. Parce que même si des gens parlent toute l'autre langue, depuis les Haïtiens, ils parlent créole là tout, il est facile qu'on communique ensemble avec lui et permettre tout que lui-même tout lui faire interaction et ensemble avec vous. Et nous connaissons de très bons feedback de l'auditoire là, les oui, c'est plein de vie, moi. Parce que les auditeurs, ils disent mon cher, t'attendez, c'est bien ou c'est mal. Des fois, c'est mal. Et c'est mal parce que si j'ai des débats là, il paraît mes approches là, mais nous n'avons pas de monopole à la vérité. Nous accepter, partager avec eux, et sans passion et puis sans vouloir monter, mon nom dit, mais ça n'est pas d'accord. S'il y a raison, on dit finalement, m'accepter avec ou il y a raison, on te dit, ou ça, mais si que vous sentez que pour qu'on finisse raison tout, vous pouvez, dans qui contexte, côté dit, soit dédiant, mais ça cimente nous quand même, son relation qui est parfaite entre moi-même et auditoire. Donc on a une chose qui t'est frappé en pile communauté haïtienne ici aux États-Unis, mais tout en Haïti. C'est 12 janvier 2010, après le tremblement de terre là. Nous connaissons ça, t'es vraiment affecté. Si ça permet tout, est-ce qu'on peut parler nous un petit peu d'expérience ou de tremblement de terre? Parce que nous connaissons côté en Haïti dans l'époque ça. 12 janvier 2010, dans la caméra, le tremblement de terre a passé dans l'après-midi. Et c'est à peine que je suis au travail, c'est-à-dire moi-même, je suis miraculé. Parce que je suis dans la rue à tout, je suis tombé sur moi, je suis tombé sur moi, la machine est frappée, mais tout. Mais ça, c'est moi-même qui suis entré dans la caméra. Mais je ne connais pas. Tremblement de terre là jusqu'au lendemain. Nous avons quelques cadavres dans l'après-midi dans la soirée, mais c'est le lendemain matin, nous avons pour me descendre, aller en bas la ville Port-au-Prince, sortir Pétionville côté de l'été, pour m'aller Port-au-Prince. C'est le ça, moins ouais, pile cadavre par 150, par 100, par 80, et c'est là ça me rendre compte qu'il y a un impact que ça a rien sous Haïtien. Moun qui a bout de bras ici, qui a bout de pied, caille qui tombe, quantité côté qui vide, c'est de côté de battre le ciel là. Et puis où est ciel là qu'on y a, où est jardin que tu gagne derrière, et pour rendre compte mais là tu gon caille là dedans, et c'est ton impact qui était vraiment et terrible sur la vie chaque grain de monde qui était ni en Haïti ni ici, en voir moi-même qui était en dedans caille moi et qui était gagne chance et survivre et après événement cela. Faut que nous disions sauf ou venir qu'on y a aux États-Unis ou pas pour compte ou avec toute famille ou avec une possession très toute famille. Ah, femme dit bon Dieu merci, femme dit bon Dieu merci et merci aussi à la communauté haïtienne qui l'ouvre bral qui recevoir mais encadré James. Voilà Altiri Léandre, c'est vraiment un plaisir que nous gagnons avec vous dans l'émission ça pour nous parler de expérience, pour nous parler de parcours et surtout pour nous parler de au même en tant que étudiant dans Miami Dade College qui pas décidé après au final avocat en Haïti qui pas décidé camper mais qui décidé continuer l'école toujours qui décidé continuer avancer pour capable faire une différence dans la vie. C'est vraiment un plaisir pour nous te gagner aujourd'hui Altiri. Plaisir partager James, c'est moi qui vous remercie mon cher, qui a travaillé là, je m'appelle là, c'est vraiment positif mon cher.
Merci infiniment. Voilà, amis téléspectateurs, c'est là nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Pas oublier, premier invité nous, c'était Franz Telfort, un économiste. Et puis deuxième invité nous, c'est Altieri Léandre, qui est avocat, animateur radio dans la communauté haïtienne. Notre PAM, c'est James Pierre, ou t'as suivi MDC in the Haitian Community. Nous sommes capables de toujours continuer le dialogue là, soit sur Twitter ou du moins sur email. Restez branchés pour une autre émission. Très prochainement.